Qu'est-ce que la journée du patrimoine ? La journée du patrimoine, c'est d'abord l'occasion de faire du lien, forcément, et aussi de faire voir à toutes les personnes qui passent par notre village et même à nos habitants de Puget-Théniers ce qui se passe à l'intérieur du village. Parce que bien souvent, le patrimoine est mal connu des propres habitants. Donc c'est vraiment une journée où on se rencontre autour du lien, autour d'un lien, pour parler du patrimoine. Qui organise la journée du patrimoine ? Normalement, la journée du patrimoine est organisée par la municipalité qui fait revivre les instants d'avant en allumant le four avec l'aide de diverses associations. En particulier sur Puget-Théniers, c'est l'association culturelle du pays pugétois qui est en partenariat avec la municipalité. Et donc, il y a un financement particulier ? Non, il y a pas de, il y a un petit budget pour le patrimoine, mais j'ai pas d'autre financement que celui de la municipalité, celui de l'association culturelle et aussi la générosité des habitants qui amènent ce qu'il faut pour partager le repas, c'est ce qui fait, et le partenaire aussi de cette journée qu'il faut surtout pas oublier, c'est l'éco-musée de la Routoule. Pour la journée du patrimoine, quelles sont les activités que vous organisez ? Alors, pour la journée du patrimoine, il y a plusieurs ateliers qui sont organisés. Donc un atelier poterie et pastel, un atelier d'écriture avec Denise qui s'occupe déjà de deux groupes d'ateliers d'écriture, un sur Entrevaux et un Puget-Théniers. Et ensuite, c'est un petit peu à part, c'est pas un art français l'origami, mais un atelier d'origami. D'accord. Et est-ce que ce sont les mêmes activités enfin chaque année ? Non, c'est la première fois. D'habitude, c'est une année, on a fait une visite avec un jeu de piste dans le village. Et l'année dernière également, on a fait un jeu avec des départs différés, avec des pierres où il y avait des rébus et les gens devaient trouver des parties historiques du village, enfin des choses historiques qui concernaient le village. Donc vous tenez un stand d'origami pour la journée du patrimoine ? Pourquoi particulièrement préférez-vous faire ici la journée ? Pourquoi participez-vous ? Alors moi j'ai participé à plusieurs expos sur la galerie des Augustins en fait, et c'est Martine qui est la galeriste qui m'a proposé de montrer mon travail. Je représente la sculpture sur cette exposition, c'est sculpté du papier, voilà. Ça fait longtemps que vous travaillez dans les origamis ? Alors à la base je suis plasticienne, donc je travaille plusieurs matières. Je fais surtout à ce jour des métaux précieux, de l'argent, du bronze, des bijoux. Et je reviens depuis peu à mes premiers amours avec des choses plus plastiques, voilà, purement art plastique.